of a fairy tale sometimes. I'm sorry. Yes, and I would wanted to know how you started out. Je pense que c'est un film très poétique. Il y a presque des moments d'un conte. Est-ce que c'était quelque chose que tu voulais faire? Ça démarre très très sérieusement. Hein. Mais j'ai pas encore parlé, c'est normal. Le micro fonctionne. Wenn ihr noch nicht geredet habt, dann können Sie mal noch nicht hören. Bisschen Geduld. En fait, le film est très particulier dans la mesure où je n'avais pas vraiment décidé de quoi allait parler le film et quand nous allions réaliser. Parce que l'envie d'abord, c'était de faire un film, de retourner très vite avec Gérard Depardieu et de trouver le sujet. Et le sujet, c'est... Excuse-moi, je vais continuer un petit peu. Parce que je sais que tu es très fort en traduction, tu peux tenir très longtemps. Et en fait, il se trouve que j'ai cherché un projet qui nous permettrait de tourner assez vite, sur une période assez courte. Pardon ? Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, il va traduire, vous inquiétez pas. Et donc, je me suis réveillé un matin où j'avais fait ce rêve. Donc, j'ai noté les principales actions, et puis j'ai greffé Gérard à l'intérieur, et tout ce qu'on avait pu se dire depuis plusieurs mois, en fait, s'est trouvé modifié, amplifié, et une sorte de mise en abîme qui s'est faite entre nous, sur à la fois ses angoisses et les miennes, et le film s'est retrouvé tel qu'il est là. Donc on n'a pas rationalisé du tout l'histoire, les choses se sont installées, presque naturellement, et c'est ce que vous avez découvert sur l'écran. So it was not made a film with a clear scenario first or with a clear idea first. The idea for the film was that I made a dream, and I really wanted to work with Gérard Depardieu again. I had shot with him Valley of Love, and the two of us wanted to work together, and we needed to find out what we wanted to tell. And after I had made this dream that you have seen, I kind of pictured Gérard in my dream, and so I contacted him, and what we did was we were talking about fears that we having, ideas that we having, and we started to fill it in into my dream, and the result is what you have seen now on screen, but it was not a film that had a clear story set first, a clear script written first, and then was made, so it worked a little bit differently on a different level. So there was a lot of improvisation throughout the work with Gérard Depardieu. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'improvisation pendant ce travail avec Gérard? Non, 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 aucune. Pourquoi vous me demandez ça? No, there was actually absolutely none. There was absolutely not improvised. But why are you asking that question? I was just interested in the process of the shooting. This would be my next question. How did you plan the shooting from one day to the other? Ce qui m'intéresse, c'est plutôt le processus. Comment vous avez fait ce film? Comment s'est déroulé ce tournage? Mais en fait, j'essaie de m'arranger pour que on puisse tourner en continuité, c'est-à-dire vraiment dans la chronologie du récit, et puis vous savez, on a une espèce de fil conducteur qui est un scénario avec des événements qui sont inscrits, et puis Gérard joue d'une façon très, très particulière, c'est que ensemble je lui mets une oreillette dans l'oreille. Il n'avait pas lu le scénario d'ailleurs, et en fait il y a quelqu'un qui est très éloigné qui lui souffle le dialogue et il dit le dialogue. Donc il entend les phrases, et les phrases sortent par sa bouche, comme ça. Donc il découvre le texte, en fait, en le disant. Donc c'est quelque chose de très spontané, et qui peut-être vous donner l'impression que c'est improvisé. C'est peut-être pour ça que vous avez senti
cette sorte de peut-être de fragilité et de véracité que vous avez sur Gérard quand il parle. Mais en fait, tout est écrit. C'est simplement qu'il n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'il dit. Les choses sortent naturellement comme ça. So what I'm trying to do in my films, and I also did it with this one, is we try to shoot it chronologically. So, and then in the way the story moves forward, we shoot it. And I had a very special way of working with Gérard Depardieu on this film because he didn't know the script. And what we did is Gérard had an earpiece in his ear, and somebody was quite far away from the action was whispering his dialogues, and Gérard just repeated them without really thinking. And that gives you maybe the feeling of authenticity, and that's why you made me think it was improvised, but it was absolutely not improvised. It was just the way that we worked here. And so Gérard Depardieu was actually discovering his dialogues only at the moment they were spoken to him or whispered to him into his ear. Vous n'êtes pas déçu? You're not disappointed? No. But it's interesting to know. Are there questions from your side? Oui, bonsoir. En fait, j'ai une question. J'ai vu Vallée au fleuve, donc vous avez sorti l'année dernière avec Gérard Depardieu. Et comme dans ce film, il y a un aspect très irrationnel, donc une sorte d'option de l'irrationalité de la réalité. Et je voulais savoir quel était le lien que vous aviez avec Gérard Depardieu, pourquoi vous vouliez à nouveau travailler avec lui et continuer sur cette espèce d'irrationalité dans la réalité, de rêve dont vous parliez. Qu'est-ce que vous vouliez faire vraiment ensemble et pourquoi vous vouliez tellement vite retravailler avec lui que juste après Valley of Love? So the question was, he had just seen Valley of Love, the previous work that Guillaume Nicou and Gérard Depardieu did together. And the question was, in both films there's a part of irrationality and dreamlike quality within the reality. And why did they want to work together so quickly again? Why did he want to work with Gérard Depardieu again so quickly? And what's maybe the reason for them wanting to work together? En fait, après avoir réalisé La Religieuse, qui était l'adaptation d'un roman de Diderot, donc, dans lequel je m'étais volontairement enfermé dans un récit historique qui comportait des obligations de structure narrative, j'ai eu envie de passer à quelque chose de radicalement différent. J'ai entamé avec L'Enlèvement de Michel Houellebecq un rapport un peu très poreux en fait, entre le documentaire et la fiction, où je me suis intéressé à une approche un peu particulière, c'est-à-dire que j'ai voulu aborder le documentaire avec l'alibi de la fiction. C'est-à-dire que j'ai réalisé finalement un documentaire sur Michel Houellebecq, mais en utilisant la fiction comme rampe de lancement. Et j'ai essayé d'appliquer également ce procédé à Valley of Love et également à The End pour m'approcher de façon peut-être plus intime à ce que j'apprécie chez les gens que je filme. Là, en l'occurrence, c'était surtout Gérard Depardieu, mais auparavant Isabelle et Gérard. So I had come here to Berlin with a film competition a couple of years ago, which was called La Religieuse. It was after the well-known work from Diderot. And there I had certain rules to follow. It was an historical film. I had to respect certain narrative structures. And after this film, I wanted to radically do something different. So I did L'Enlèvement de Michel Houellebecq, and I wanted to do this film somewhere between documentary and fiction. So it should have a documentary feel, but I wanted to use fiction within the documentary. That was the idea. And that was like the starting ramp, how I wanted to do it. And then I continued on this way in Valley of Love and also here in The End. And what I'm interested in also are people like Gérard Depardieu, or in the previous film, Isabelle Huppert and Gérard Depardieu, and I try to mix their reality in this kind of documentary reality with the fiction. Je continue. Je peux faire une autre réponse. La poursuivre, si vous voulez. Oui. En fait, c'est ce qui s'est passé avec Gérard Depardieu et moi dans la Vallée de la Mort lorsqu'on a tourné ce film. On a eu l'impression, en tout cas, qu'on pouvait empiéter de façon plus intime sur, euh,
sur nos peurs et sur nos angoisses. Et pour ça, il fallait trouver en effet un terrain, un lieu qui nous permettrait de, voilà, d'exposer en tout cas ces espèces de traumas qu'on trimballe en nous, même avec des générations différentes. Mais on s'est en tout cas extrêmement bien entendu sur un terrain, sur le terrain humain, c'est-à-dire du rapport humain qu'on avait l'un envers l'autre. Et que finalement, ce qui est assez passionnant avec Gérard, c'est que comme il ne se considère pas comme un acteur, et que je pense qu'il n'est pas un acteur, et que c'est quelqu'un qui vit les choses dans l'instantané, et qui est ici et maintenant, et qui finalement, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que la tiédeur, c'est-à-dire qu'il évolue tout le temps dans des crêtes. Et c'est ce qui rend le rapport humain extrêmement intense avec Gérard. Mais dans les excès qui peuvent être bons ou mauvais. Mais on a toujours l'impression de vivre les choses d'une façon très intense. Et ça, c'est assez passionnant, parce que c'est finalement ce pour quoi on est fait, nous. Enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse dans le cinéma. C'est d'avoir le danger et l'adrénaline et la prise de risque. Sinon, on fait des films. Moi, j'ai la prétention de faire du cinéma parce que ma vie, c'est le cinéma. Je n'ai pas le sentiment de faire des films parce que je ne vais pas au bureau, parce que je fabrique pas quelque chose qui est fait pour le public. En fait, c'est très égoïste comme rapport. Je l'ai fait d'abord pour moi, parce qu'il y a quelque chose de vital qui me pousse à explorer ce que vous venez de voir là. Je ne crois pas du tout aux gens qui font des films pour le public. So I will continue a little bit answering your question here. So what happened is when I worked with Gérard Depardieu in The Valley of Death and Valley of Love, we kind of figured out that there was common ground between us when we talked about our fears, about anxieties, and we felt that we had to explore that again, that we had to find a way to talk about that again, because on a very human level, we had a very good relationship, Gérard and I, and we wanted to continue on that. And it had something very intimate also, on just like on a normal, like a human relationship between two guys. And so Gérard Depardieu doesn't consider himself as an actor. He lives in the moment. And I also don't consider him as an actor, because he's somebody who has to live something out immediately. And with Gérard Depardieu, nothing is ever lukewarm. You know, it's always extreme. Which can be a good thing, which can be also a bad thing, but at least it's very intense. And this is what interests me when I'm making cinema, because for me, I don't have an office job. I live cinema. Cinema is my life. And in a way, it's very egoistic, because I'm not making the films for public. I'm making the films primarily for me. And I do not believe in filmmakers who say they're making films for the public. Tu es très très fort, hein? Bravo, la traduction formidable. Non, ce que je veux dire, c'est pas péjoratif. Enfin, je sais pas du tout de comment dire. Je crois que c'est finalement très dur d'accéder à ce qu'on cache en fait. Voilà, on a toujours une espèce de. On a beaucoup de problèmes finalement à afficher des choses qui sont protégés par toutes les barres de censure successives qu'on peut... Vous avez d'ailleurs le sentiment parfois de répondre à une question très affirmative comme ça. Vous dites oui, mais en fait, vous savez bien que c'est non, que c'est faux. Et ça, c'est ce qui est très troublant. C'est à un moment donné, d'essayer de capter ce qui est le plus sincère en nous. Et pour ça, il faut que chacun puisse faire quelques séjours chez le psychanalyste pour explorer ces zones qui sont très, très mystérieuses. Et c'est ce qui est passionnant avec Gérard, c'est qu'avec Gérard, on arrive à toucher quelque chose qui est de l'intime et qui passe au travers de tous ces filtres. C'est pour ça que c'est une relation extrêmement intense, très riche, mais qui est très vampirisante aussi. Parce que d'une certaine façon, il m'épuise. Et que c'est vrai que deux films avec Gérard en un an, c'est très épuisant. Mais en même temps, c'est très stimulant. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai qu'un seul regret, c'est d'avoir rencontré Gérard à mon âge. J'aurais adoré le rencontrer il y a 20 ans et pouvoir commencer à travailler avec lui et profiter de cette folie qu'il a et de cet appétit. C'est quelque chose de très très rare.
And what I said before against was nothing was not meant against other filmmakers or in other ways of making films. But what interests me is I think we don't always dare to admit who we are. We have all these filters, we have all these layers that protect us that are like a form of censorship, and so it is hard to get through these layers. And probably in order to find out that about yourself, you become very vulnerable when you try to open those layers. And for everyone to find out what kind of layers he has himself, inside him, one has to go to a shrink, to a psychoanalyst to figure that out. But the interesting aspect in working with Shabbat Padjou is that he goes through these filters. And it's like I said, there's something very intimate that comes out with him, very direct. But it's also very, yeah, it's like working with a vampire. So it sucks me out to work with him to make two films within 1 year. But on the other hand, it's very, very stimulating. My only regret is that I only met him now and not 20 years ago, because we could have maybe achieved so much more if that relationship would have started a little earlier than now. Je continue peut-être. Je veux parler pendant une heure, si tu veux. Non, ce qui est en fait très paradoxal, et c'est pour ça que c'est intéressant de prendre Gérard Depardieu comme pivot, même pour la discussion, c'est que le principe du cinéma, c'est quand même de mentir le plus sincèrement possible, donc d'utiliser le mensonge pour créer de la vérité. Mais Depardieu, il n'est jamais dans le mensonge, en fait. Comme il est dans l'instant, c'est jamais du mensonge. C'est toujours envoyé comme ça. Alors il peut dire énormément de conneries, énormément de belles choses, et c'est toujours sincère. C'est toujours, sur le moment, c'est toujours extrêmement explosif et très cueillant. Voilà. Il y a une espèce de fulgurance, de saillie verbale. Et ça, c'est captivant, parce que c'est très rare d'avoir des gens dans la vie qui ont cette capacité à vous capter comme ça et à vous emmener dans un univers qui est très puissant. Qui échappe totalement à, c'est ça, à cette espèce de tiédeur ou de pensée extrêmement polie. C'est pas que j'aime pas la tiédeur. Enfin, si, j'aime pas la tiédeur. Mais voilà, on a l'impression d'être en danger très souvent. Et ça, c'est fascinant. C'est très excitant. So, what's so interesting to talk about this, and that's why I'm talking so much about Gérard Depardieu, is because he's a very good example in explaining what I mean. Because usually what you do in cinema or what you do in life also is you lie and try to be honest at the same time. I mean, and this lying and using also honesty is something that Gérard doesn't have. He never lies. He's always honest. And he lives in the moment. And so he can say very banal things, very laughable things, but very intelligent things also, and that's what makes it so captivating, because it's so rare. It's so rare to be with someone who's so direct and who's so much in the moment and who's not using all these filters all the time. And that makes it so special to work with him. Let me ask me a question about the music, which builds a very strong part in this film, and builds nearly a own narrative, I think. Could you say something about this? Regarde, ta question fait fuir tout le monde. This question makes everybody go. I think it's interesting, but how? Ils s'en foutent de la musique, les gens. They don't care about the music. That's a pity. Il faut que tu arrêtes de poser des questions. Poser des questions. Sinon, ils vont tous partir. Yes? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que traduit la fin du film? Vous parlez d'angoisse. Est-ce que cette angoisse se termine par un suicide? Ou est-ce autre chose? Qu'avez-vous voulu exprimer par cette fin? What did you want to express with this ending? You were talking about fears
do these fears lead to suicide, or what did you actually want to express that ending? Mais je n'en sais rien, c'est à vous de me le dire. I really don't know, you have to tell me. Mais ton point de vue. Ça dépend des jours. It depends on the days. Parfois je pense qu'il est mort, puis parfois je pense qu'il n'est pas mort. Sometimes I think he's dead, sometimes I think he's still alive. Ah, vous n'êtes pas content, ouais, mais évidemment. Mais moi, je n'ai pas les réponses, en fait. C'est ça le... C'est qu'il faut... Parfois, j'ai l'impression qu'il faut accepter le principe que... Godard a dit une phrase qui était assez intrigante. C'est qu'il a dit qu'il y avait des films qu'on regardait et des films qui nous regardaient. Et les films qui nous regardent, finalement, elles nous posent des questions d'une façon plus intime, qui font appel à notre propre